J'arrive, les poulettes, j'arrive. J'ose même pas me montrer du coup. J'arrive, j'arrive. J'ose vraiment pas me montrer, mais vraiment. J'ose pas. Bon, allez, je me montre. Coucou les il m'est arrivé quelque chose. Bon, vous me connaissez, je suis une grande blagueuse. Non, mais regardez! Non, mais regardez dans l'état où je suis! Coucou mes poulettes! Mais non, c'était une blague! Je l'ai déjà eu, la varicelle, à 4 ans et demi! Coucou les filles, ça va? Mais il n'y a pas de souci, Marie-Bernadette, on a le droit de se tromper, il n'y a pas de souci, ma belle. Coucou Angélique, coucou Nat, coucou Isabelle, Caro, Amandine, Domine, Laura, Andrea. Oh, je me suis dit, c'est jour férié, on va quand même faire une petite blague. Coucou Karine, coucou Laura, coucou Nat. Alors, vous avez vu ce que j'ai? Hello de Tahiti. Oh là là, qui me dit ça? Non, mais c'est pour me narguer, ça. Coucou, hello de Meximieux. Coucou Peg, coucou Nat. Bon, bien évidemment, c'est une blague, je n'ai pas la varicelle. Vous voyez bien, mes boutons sont trop bizarres. Je me suis fait du souci, oh c'est trop mignon Emma. Coucou ma Lolo. Ah, il y a ma soeur qui est connectée. Bon anniversaire, ma petite soeur. Je t'aime. Oui, je suis une folle, tout à fait. Coucou Célia. J'adore les blagues. J'adore. Bon, je vous fais ça pourquoi les filles? Pour vous montrer nos merveilleux produits. Parce que vous vous dites, non mais tout ce qu'elle a sur la gueule quand même. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis. Et je vais vous expliquer. Re-coucou Élise, ça va ma belle? Oh, faut bien rigoler. C'est férié. Faut bien. Voilà. Et puis là, je me dépêche parce que je vais travailler. Je vais pas aller travailler comme ça. Je vais pas aller travailler dans cet état, vous voyez. Donc je vous explique, j'ai mis, donc je me suis fait mon maquillage des yeux vite fait, et du coup, bon, j'ai mis ma crème hydratante, toujours les filles, on hydrate sa peau, c'est impératif. N'hésitez pas à partager ce live, hein, même si j'ai une tête de guignol, vous pouvez le partager. Non, ce n'est pas le 1er avril, mais tu vas comprendre pourquoi, Christelle. Donc, je me suis dit, donc j'ai mis ma crème de jour hydratante et tout ça, puis je me suis dit, tiens, c'est férié aujourd'hui, les gens doivent être connectés, je vais me faire des boutons rouges sur la tronche. C'est férié, ouais. Donc on fait rien. Ah, elle est pas mal celle-ci. Même tes boutons de varicelle sont trop bien faits. T'es trop forte. Coucou ma petite Anne. Coucou Séverine. Salut Déborah. Donc je vous montre ce que j'ai mis parce que c'est quand même impressionnant. J'ai mis le contour d'élèves unique. Donc je vous montre. Qui est un produit. Le contour d'élèves, comme les contours des yeux, ce sont des produits waterproof qui tiennent. Toute la journée, ça ne coule pas, ça ne transfère pas, et voilà. Donc je vais vous montrer sur mon visage, de toute façon ça ne peut pas partir, hein, parce que c'est vraiment un produit sans transfert. Coucou tout le monde! Coucou la couze! J'adore ce que tu fais, ça donne la pêche. Bah écoute, on se prend pas au sérieux, hein. Ça me va bien les boutons, bon bah c'est cool. Je vais plus me faire chier à vous faire des live maquillage, je vais vous faire des live boutons. Coucou Solène, coucou Aurélie. Donc, j'ai mis ça et j'en ai mis. D'ailleurs, je vais en rajouter parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. On en rajoute. Donc, mes petits boutons. J'appuie bien. C'est un produit qui ne part pas très bien. Et c'était pour vous montrer quelque chose. Coucou, je t'écoute. Je t'ai. Alors, tu sais, j'ai fait un mélange de écouter et découper. Je t'écoute. C'est dur, la Virginie, ce que tu me fais faire. Coucou, je t'écoute en découpant du placo. Ok, bah bon courage ma belle. Coucou Sophie, coucou Marina. Donc pourquoi j'ai fait ça? Vous devez vous dire, mais alors soit elle est complètement cinglée, effectivement c'est une possibilité, hein, vous commencez à me connaître, ou soit elle a quelque chose à nous montrer, ce qui est une autre possibilité. Merci pour vos partages, vous êtes des amours, merci beaucoup parce que c'est grâce à ça, grâce à vos partages, vos commentaires, vos j'aime que je me fais connaître. Donc merci beaucoup. Coucou ma petite Sandrine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? On va dissimuler cette face de bouton de varicelle ensemble. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire un half face. Donc, en français, je vais faire la moitié du visage.
pour vous montrer, et je vais vous montrer avec quoi? Je vais vous montrer avec notre merveilleuse offre du mois de mai, qui est l'offre du thym, et qui est hyper intéressante. Donc vous avez mon site, d'ailleurs je vais remonter pour l'épingler, parce que du coup, avec mes bêtises, voilà, je ne l'ai pas épinglé, donc je l'épingle tout de suite. Vous avez mon site internet, les filles, qui est épinglé tout en haut des commentaires, c'est www.uniquebyjenny.fr. Si vous souhaitez acheter n'importe quel produit que j'utilise, que j'ai sur moi et tout ça, vous pouvez l'acheter www.uniquebyjenny.fr. La livraison est gratuite, même si vous prenez uniquement un crayon pour les yeux. Il n'y a pas de minimum et le cudo du mois est top. Donc vous pouvez acheter sur www.uniquebyjenny.fr. Coucou Emine. Ouais, il est trop top. Il est trop top. Bon, les filles, on arrête de blaguer parce qu'après, je dois aller travailler. Hein. Ce soir, je bosse au bar. Donc on y va. Donc ce qu'on va faire, je voulais vous montrer ce fond de teint qui me saute des mains. Coucou, je viens d'arriver. C'est quoi cette figure? J'ai chopé la varicelle, Sandrine. Mais non, c'est une blague, hein, parce qu'il y en a. Après, je vais recevoir des messages, je suis sûre. Coucou Marie-Laure, coucou Enzo, coucou Laura, coucou Caroline. Donc, j'ai fait des boutons de varicelle pour vous montrer ce fond de teint formidable, comme il fonctionne dessus. Donc, déjà, j'ai fait mes boutons de varicelle avec notre crayon contour des lèvres, le Primal, qui ne part pas, bien évidemment, parce que c'est un crayon waterproof. Vous entendez? Je frotte, hein. Il ne part pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est même pas le fond de teint qui va le faire partir. Le fond de teint va recouvrir. C'est pour vous montrer. C'est un truc de fou. Coucou. Oh, coucou, je vois ton live pour une fois. Ah, c'est cool, Nelly! Bienvenue aux nouvelles, d'ailleurs. J'en profite. Bienvenue, welcome! Bienvenue aux nouvelles qui nous rejoignent. Vous, si vous êtes nouvelles, vous pouvez me faire un petit hashtag nouvelle, comme ça, je sais. Et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Alors, on va faire la moitié du visage, ok? Comme ça, vous allez voir. Donc, je prends mes petites gouttes, je vais les mettre directement sur le visage. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Bon, là, je suis à la fin de mon truc. Et je vais vous montrer un peu ce qui est, comment il est trop bien, ce produit. C'est ouf! Coucou! Ça va? Et je vais vraiment faire la moitié du visage. Voilà. Donc, j'ai mis mes petites gouttes de fond de teint. Et je vais prendre mon pinceau. Aujourd'hui, je vais prendre celui-là pour estomper. Bienvenue, Alexandra! Et on va estomper tout ça. Donc, vous allez voir, c'est magique. Mon fond de teint couvrant, hyper couvrant, va camoufler tout ça. D'ailleurs, je vais mettre plutôt mes gouttes dans mon pinceau, ce serait quand même plus simple. Et regardez déjà là, c'est ouf. Hé, Diz ! Bah, bienvenue à toi, ma belle. Coucou, Céline ! Vous allez bien, les poulettes ? Putain, j'ai plus rien, je suis à la fin de mon truc. Coucou Yann, ça va? Donc j'ai mis mes petites gouttes dans mon pinceau. Et on y va. Je vais faire juste... Oh putain, j'en ai mis trop. Je vais juste faire la moitié du visage pour vous montrer que c'est ouf comment il est couvrant. Donc vous m'avez vu avant. Et regardez. Je fais que la moitié du visage, comme ça vous voyez. Et regardez, on ne voit plus rien, c'est un truc de ouf, j'adore. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'en ai mis un peu trop sur le nez, il y a juste cet endroit. Mais sinon, regardez, les filles. Regardez ça. Et on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Bienvenue Michel. Coucou Sylvie, coucou Nadège, Tatiana, Maëva. Vous allez bien les filles? Non mais c'est un truc de fou. Coucou Maëlle dit, je suis pas poulette. Mais si t'es poulette, Maëlle. Mais si t'es poulette. Oh mais c'est ouf. Et regardez avec mes petites gouttes de fond de teint ce que ça a fait, quoi. Non mais les filles, c'est pas un truc de ouf. Et ce regardez. J'avais ça sur le visage. C'est terrible. Ouais, non mais c'est terrible. Je me suis dit au moins comme ça vous verrez. Parce que moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de boutons. Moi j'en ai qu'un en ce moment. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est hyper couvrant et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vraiment. Trop bien et le pinceau, il est trop top. Oui, ça c'est un pinceau professionnel, les filles. Donc c'est vraiment un pinceau professionnel, il est génial, il est tout doux. Et vous avez le double embout, côté correcteur et côté fond de teint en fait. Et il est vraiment génial. Il fait beau mais pas très chaud, c'est magique ce fond de teint. Ouais, il est magique, c'est exactement ça. Je vais faire de l'autre côté pour vous montrer. Comme ça, vous verrez.
Donc là, j'ai mis que du fond de teint, les filles. Hein. J'ai pas mis rien d'autre. Non, mais vous avez vu la différence quand même. C'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Coucou Sabine! Ouais, 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 c'est cool. Non, mais il est énorme, ce fond de teint. Il est énorme. Alors, on fait de l'autre côté, les filles. Donc, toujours pareil, on mélange le fond de teint. Coucou Vincent! Et on met quelques gouttes dans son pinceau directement. Et je vais camoufler ces vilains boutons de varicelle. Et oui. Oh, il y a ma grande fan. Coucou Jenny! Comment ça va? Comment ça va? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites en ce jour férié? Je me suis toujours posé la question de ce que faisaient les gens aujourd'hui. Parce que rien n'est ouvert. Franchement, on se fait chier. Alors, Ludivine Ferreira, je vais te bloquer. Voilà. Bon, j'ai un souci avec mon tel, je t'entends, mais je ne te vois pas. Ben, c'est dommage, Élise, hein, parce que franchement, tu loupes quelque chose. Hein. Vraiment. Tu loupes vraiment quelque chose. Foot! Oh là 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 là, trop bien. Allez, on y va. Alors, on met les petites gouttes dans le pinceau. J'ai testé le Kudo fond de teint. C'est magique. Et le correcteur, il est hallucinant. Oui. Ah oui, j'ai vu que t'avais la gastro, ma petite Séverine. C'est ton fils ou ta fille qui t'a refilé. Bon courage. Aïe, Marie, t'inquiète. J'ai trouvé la coupable et je l'ai virée. Je suis un peu plus maligne qu'elle. On fait les travaux dans la suite parentale. Ouh, trop bien, Nelly. Trop bien. Coucou, ma Jen, ça va? Bien remise du mariage? Bah c'est cool, si je te tiens compagnie, c'est cool. Coucou ma Lily! Alors on y va les filles, on dépose. Et vous allez voir, vous avez vu là? Donc c'est du crayon, ça part pas, hein. Ça part pas. Donc on dépose la matière et on va estomper. Et c'est pour vous montrer que notre fond de teint, juste avec quelques gouttes, il est très couvrant. Et ça disparaît. Et voilà, et c'est énorme. On va faire le tube. Donc du coup, pour celles qui ne m'ont pas vu avant, regardez. Oui, j'ai chopé la varicelle. Coucou Marie. Regardez au début de la vidéo, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et avec mes quelques gouttes de fond de teint, ben, j'ai caché la misère. J'ai caché la misère. Et c'est assez hallucinant. Donc on en met un tout petit peu ici. Et je suis trop contente de nos produits. Coucou Coralie. Coucou Charlotte. Coucou Karine. Donc, il faut attendre que cette vidéo soit finie pour que vous regardiez comment j'étais avant d'avoir utilisé cet or en bouteille, quoi. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Oui, il faut me regarder en replay. Ah non, mais il est trop bien. Oh, j'adore. Et voilà, et on estompe bien, mais si c'est bon, quoi. J'ai plus un bouton, les filles. C'est trop de la boulette. Allez, je fais vite parce qu'après, je dois aller bosser. Au lieu de... C'est un truc de fou. Je vais mettre mon petit correcteur. Donc, bah d'ailleurs, tiens, je vais mettre un vrai correcteur aujourd'hui. Comme ça, je vais vous montrer, comme il fait partie de l'offre du mois, vous allez pouvoir voir. Donc, je vais mettre mon correcteur qu'il faut que je retrouve. Il est où? Je vais mettre le velours. Donc, je prends mon correcteur velours et là, je vais vraiment effacer les cernes que j'ai en ce moment parce que je suis pas mal fatiguée. Après notre week-end... Notre week-end à Sitges, où on s'est quand même couché tard, parfois. Du coup, je suis quand même fatiguée, on va dire. Donc, on y va. Alors, je cherche juste mon pinceau correcteur. Où es-tu, loulou? Alors, il est où, ce pinceau correcteur? Il est là. On y va. Coucou, Cécile. Je travaille dans quoi? En fait, on a un bar à bière avec mon mari. Et du coup, tous les jeudis, j'y travaille. Si vos enfants chopent la varicelle, prenez le fond de teint, c'est mieux que la crème, exactement. Alors on y va, petite dose de correcteur les filles, donc on en met un tout petit peu sur le pinceau, vous voyez. Et je vais vraiment corriger la cerne, d'accord? Donc on y va, je le dépose en dessous. En plus ça va vraiment mettre en avant mon maquillage que j'ai fait. On voit mieux, je mets comme ceci.
voyez, comme ceci, et je vais estomper ensuite. Donc, vous voyez la différence. Déjà, ça apporte beaucoup plus de lumière. On en met encore un tout petit peu. Donc, le correcteur vous dure un an. Hein. Faut pas en mettre beaucoup. Et vous en mettez soit au pinceau, soit directement au doigt. Et vous l'appliquez directement sur la cerne. Hop. Sur la cerne directement. Et après, on va estomper. Donc, soit on estompe au doigt. C'est comme vous voulez. Là, j'ai encore un petit bouton qui récidive. On en met un petit peu dessus. Voilà. Et après, on estompe. J'y travaille que le jeudi, oui, 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 tout à fait, pour l'instant, oui, oui, j'y travaille que le jeudi, avant j'y travaillais tout le temps, maintenant on a une équipe en place, c'était aussi le but, et maintenant on y travaille beaucoup moins forcément, puisqu'on a une équipe sur place, tout simplement. Merci Marie, c'est gentil, merci Elise d'avoir partagé ton amour, coucou Cécile. Allez, on estompe, donc moi j'estompe avec mon pinceau correcteur, comme ça c'est plus simple. Et un petit coup de pinceau. Ce pinceau, je l'adore. Vous l'aurez compris. Donc, on n'en met pas beaucoup. Et puis, voilà. C'est magique. C'est magique. Mais vraiment. C'est un truc de fou. C'est un produit de ouf. De ouf, de ouf. Je l'adore. Et on estompe, en fait. On estompe, on estompe. Deux petites secondes. Je vérifie quelque chose. Ah là là. On estompe de l'autre côté. J'ai vu que tu es vers Lyon, c'est ça, tout à fait. Je suis à Meximieux, je suis à 20 minutes de Lyon. Dommage, je serais venue plus les samedis, car la semaine, je suis à Lyon. Ah oui, oui, oui. Moi, non, ma soeur... Après, j'y bosse hein, quelques samedis, plus pendant les vacances scolaires. Mais sinon, non, après, avec mon boulot... Merci, ma petite Solène, d'avoir partagé. Prochain événement, j'espère que tu seras là-bas. Bah, tu me dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu me préviens quand il va, tu sais, je suis à côté, hein. Je passe te faire un bisou. Ben, je vais pas te laisser comme ça quand même. Je passe te voir. Je viens de faire un bisou et puis comme ça, du coup, on se verra. On se verra. Ah là là. Je vérifie quelque chose. Alors, donc voilà les filles, j'ai mis mon correcteur. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais poudrer un petit peu avec la poudre Biolde. C'est la poudre transparente. Je suis serveuse, Marie. Enfin, serveuse barman. Bah oui, quand tu veux. Alors, je mets ma petite poudre Biolde, c'est la poudre transparente que moi, j'utilise sur mon correcteur pour fixer, en fait. Je l'utilise vraiment pour fixer sur mon correcteur, en fait. Et elle est trop bien, elle permet de vraiment fixer la poudre. Et elle est vraiment géniale, quoi. Elle est vraiment géniale. Donc, c'est un super produit. Et voilà. Bon bah je pense qu'on est vraiment pas mal là, c'est cool. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un produit que j'adore, c'est l'encre à lèvres. Et vous allez voir, cette encre à lèvres, elle est vraiment top du top. La couleur, parce que c'est vrai que là j'en mettais plus beaucoup, du fait que c'est pas l'été, c'est vrai que les encres à lèvres du coup c'est des produits que j'utilise beaucoup l'été. Et celle-ci, elle est vraiment top. Donc je vais pouvoir vous montrer ce produit de ouf. Alors attendez, je vais changer de musique parce que là j'ai une musique de daube. Donc je vais changer ça. Et comme ça, je vous montre ça tout de suite après. On se voit à Bordeaux, mais bien sûr Mélissa, mais bien sûr qu'on se voit à Bordeaux ma belle. Mais c'est sûr même. C'est sûr. Moi je suis, dès que je peux faire un événement unique, je le fais hein. Je le fais. Hein. Merci Michel, c'est adorable, c'est trop gentil, vous êtes des amours. Alors on y va les filles, je vais mettre l'encre à lèvres couleur Sucker Punched. Il est trop beau. Vous allez voir, il est trop beau. Vous savez, les encres à lèvres, c'est des rouges à lèvres que vous pouvez porter à la plage, à la piscine. Vous pouvez embrasser votre chérie, vos enfants et c'est waterproof. Ça a l'air super, c'est... Ces encres, surtout si c'est waterproof, à quand le mascara Epic waterproof? Alors tu sais Christelle, j'ai une cliente à moi hier et moi je l'ai testé le Epic. Si tu vas sous l'eau, il ne coule pas, mais il ne coule vraiment pas en fait. Il ne coule pas et moi j'ai une cliente qui a été à Walibi et vraiment il n'a pas du tout coulé son truc. Mais pas du tout, elle m'a envoyé des photos et tout, tu sais Walibi c'est beaucoup des jeux d'eau et tout.
Et elle m'a dit, mais j'hallucine, le mascara épique, il n'a pas coulé. Un truc de malade, quoi. Et elle était comme une dingue, franchement, elle était comme une dingue. Mais vraiment. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais t'en prendre dans quelques jours des encres. Vous allez voir, c'est génial. Donc là, c'est la couleur Sucker Punch N. J'adore, c'est une couleur un peu framboise. Elle est magnifique, vous allez voir. On y va. Alors là, je peux pas trop parler parce que du coup... Ah bah, tu vas voir, à l'Aquai Bag, c'est trop bien. J'adore. Trop beau. J'adore. Les filles, vous pouvez regarder qui c'est qui fait des bonhommes méchants. En fait, vous allez dans les... Comme ça, vous me balancez. Parce qu'elle le fait quand j'ai les mains prises, en fait. Elle est maligne. Enfin, elle est pas si maligne que ça, parce que... Donc, en fait, vous allez dans les petits bonhommes, dans les smileys, et vous me faites une copie écran de la personne qui fait des bonhommes méchants. En fait, elle change de smiley pour pas que je vois, et elle le fait quand j'ai les mains prises. Vous avez remarqué ou pas? Moi, j'ai remarqué. Je remarque tout. Oui, faut pas le toucher, il couche pas, sinon il tient au top. Ouais, tout à fait, le épique, en fait, si on le touche pas. Mais oui, je t'ai cramé, mais je sais qui tu es, en fait, hein, t'inquiète pas. En fait, non, le épique, ouais, effectivement, si vous le touchez pas, ça va pas couler. C'est ça qui est énorme. Il résiste à l'eau et aux larmes de joie. Ouais, bah on a testé ce week-end. Hein. Je peux vous dire qu'on a testé ce week-end. Hein. On y va. Allez-y, les filles. Ah, mais c'est toi, Fanny, qui me fait des bonhommes méchants. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Ça se trouve, tu t'es trompée de bonhomme. J'ose pas s'y flasher. Je pense que ça m'irait pas. Je pense pas que ça m'irait. Mais si, il faut oser. Ça se trouve, c'est toi, Steph, qui me fait des bonhommes méchants depuis je sais pas combien de temps. Ma cousine, quoi. Ça arrive, hein. Bah non, c'est pas moi, patate. Ah bon, je me disais aussi. Et du coup, elle le fait plus, parce que vu que je vous ai demandé de regarder et de faire une copie écran, elle le fait plus. Elle est maligne. Ça, c'est les gens qui portent leur couille, quand même, hein, il faut le dire. On va lui faire une... On va lui faire une hola à cette nana là qui porte pas de couilles là. Parce que ça, les gens comme ça. En fait, il faut aller regarder, tu sais, quand vous faites des smileys, vous allez en dehors de mon live, faut sortir de mon. Enfin, c'est pas sortir de mon live, vous allez voir dans les commentaires et vous voyez qui c'est qui a aimé, qui a adoré, qui a fait des bonhommes méchants et vous le voyez en fait. On l'aura, t'inquiète, on va la bouffer cette connasse, ouais. T'inquiète. Non, mais moi j'adore les gens qui sont très francs. J'adore. Parce que bien évidemment, la personne, en fait, pour tout vous dire, il y a une personne qui s'amuse à m'envoyer des bonhommes méchants. Mais moi, je m'en fous, hein. Franchement, il me faut beaucoup plus que ça. Et en fait, cette personne se crée des faux profils, avec des faux noms. Mais je sais qui c'est, en fait. Donc, pas de chance pour elle. Et en fait, elle se crée des faux noms. Et du coup, elle, comme ça, elle me fait des bonhommes méchants. Et puis, dès que je vois qui c'est, là, je savais qui c'est. L'autre fois, c'était Céline Mérou. Là, c'était, je sais pas quoi, Ferreira. Et en fait, elle se fait des profils et elle m'envoie des bonhommes méchants, quoi. Et en fait, à chaque fois, je la grille, je le dis en live, du coup, elle refait un autre profil. Mais en fait, la meuf, elle a pas grand-chose à faire, quoi. Merci, ma poulette, Lily, t'es Dieu, ça m'a fait une capture écran, tu déchires. Donc, je vais pouvoir savoir. Mais de toute façon, oui, elle a que ça à faire, oui, tout à fait. Je pense que toute la journée, elle doit être devant son Facebook. Quand est-ce que Jenny, elle vient en live, que je la fasse chier? Mais en fait, elle me fait pas chier. J'adore. Coucou, Mélanie. Non, mais t'inquiète, c'est bon, quelqu'un a trouvé, et puis de toute façon, je sais qui c'est, donc... Même si elle me fait des faux profils, je sais qui c'est. Elle me jalouse, je ne sais pas. Allez. Je sais pas si c'est de la jalousie ou de la connerie. Mais en fait, elle s'en fout, Marie. C'est pas qu'elle veut pas me regarder ou quoi. C'est juste que je la dérange, en fait. Donc, je la dérange. Oui, c'est sûrement de la jalousie, ouais, peut-être. Ouais. Et là, bizarrement, vous voyez mort de rire, Fanny, c'est toi une autre... Oui, non, mais Fanny, c'est ma cousine, elle s'est trompée de bouton, elle a dû appeler une fois. Et l'autre, tu m'envoies, Lily, tu me l'envoies comme ça. Ah bah oui, comme ça, je vois qui c'est. Et en fait, la pauvre fille, elle a que ça à foutre, quoi. C'est triste, hein. Vous voyez un peu le quotient intellectuel des gens. Coucou, ma dit. Bon, du coup, ça m'a... Alors, attendez.
Il est trop beau. Il est trop beau! Coucou Émilie! Ça, c'est pas cool, elle doit se faire chier dans sa vie. Mais oui, Élise, c'est tout à fait ça. C'est des gens qui n'ont rien à faire. Mais voilà, mais on n'en parle plus parce que c'est lui accorder de l'importance. Voilà, tout à fait, Nelly, je suis d'accord avec toi. Et bizarrement, elle n'est plus là. Hein. Merci, ma Lily, t'es un amour. T'es un amour, Lily. T'es une vraie inspectrice, j'adore. Bon, ben voilà, les filles, vous regardez. Donc là, c'est la couleur. C'est la couleur Sucker Punched. Il est trop beau, je l'adore, il est magnifique. Merci ma belle. Allez, je dois filer, je vais tortard au travail sinon. Oui, il faut vraiment que j'y aille, sinon je vais tortard au travail. Donc si vous voulez venir boire un verre, vous pouvez venir au fur et à mesure à Meximeux, j'y travaillerai ce soir. Je vous fais des gros bisous mes poulettes, merci d'avoir été avec moi en ce jour férié, ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous. Mort de rire, Lily, j'assume l'homme Jenny, c'est ma cousine. Ma oui, elle s'est trompée, ma Steph. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager ce live. Vous êtes des amours, ça m'aide énormément. T'es loin, patate. Ah, c'est cool, Madal, je suis contente, je voulais te voir. Cool. Allez, bisous, je vous embrasse bien fort. Salut les amis. Bisous, bisous.